Ça vous fait quel âge? Allons bon. L'ex-président, directeur de publication, aurait-il été rappelé aux affaires? Ne cherchez pas la faille, la vie Mancel et sartoise se porte bien. Le bénévolat, à temps logiquement partiel, est une occupation de tous les instants si l'on veut que la boutique tourne rond. En poste depuis décembre 2019, Jean-Pierre Guillard a simplement sollicité l'ancien, histoire de souffler un peu. Faut-il rappeler que la VMS, vieille dame de l'édition culturelle et patrimoniale, départementale, affiche 65 années de parution? Son âge respectable lui fait, cependant, mener un train d'enfer car elle se révèle, également, sportive à l'occasion des 24 heures du Mans. Le dossier qui leur est consacré, Corvette, une icône made in US, ramène, pour la plupart d'entre nous, à notre insouciante jeunesse. À ce propos, tous les pilotes, essentiellement masculins, de notre belle revue, unique en France, accusent un âge qui fait que le compteur moyen affiche 77 ans. C'est sage, me direz-vous, puisque la vitesse est désormais réglementée entre 80 et 90 sur les grands axes routiers sartois. Bien qu'elle le vive sans complexe, une jeune dame, rédactrice, de la même tranche d'âge, se trouve un peu isolée dans ce cercle de réflexion, au demeurant, nullement macho. Inutile de tourner en rond, nous ne sommes plus sur le circuit. Le président, directeur de publication, rédacteur en chef, de surcroît, et l'ensemble de ses collègues, souhaiteraient rajeunir l'équipe en accueillant, de préférence, le sexe dit faible. Ainsi, la moyenne légèrement élevée pourrait trouver une vitesse de croisière dans le respect d'une conduite irréprochable. Dans ce cas, inutile d'attacher vos ceintures. À vos plumes et rendez-vous un mercredi sur deux, de 16 à 18 heures.